Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, maint grief, tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Ainsi, amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Un âge d'or de la femme, j'allais dire de la classe moyenne et classe supérieure à cette époque-là, qui est très bien concrétisé par le destin de Louise Labbé, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés, elle décide de changer de maison, elle arrange tout elle-même, sans demander ni à un mari, ni à un père. Elle est une femme exceptionnelle, mais la façon dont elle agit n'est certainement pas exceptionnelle. Il faut différencier les deux choses. Les femmes de son époque, qui sont des femmes de la classe moyenne, on en a fait une enfant naturelle de roi, vous l'avez un moment de délire romantique. C'est une femme de la classe moyenne, confortable, cossue, lyonnaise. Elle décide. Elle fait des affaires avec son mari ou non. Mais pas forcément. Elle peut faire quelque chose avec son mari si elle en a envie. Sinon, elle décide toute seule et elle fait ses propres opérations économiques elle-même. Qui peut le dire maintenant, en 1984 ? Le siècle castrateur, c'est le 19e. Le 16e est un siècle épanoui, bon, avec toutes les tragédies du comportement et toutes les caricatures du comportement, mais il est certain qu'un des plus beaux textes sur la sexualité, sur l'amour, sur les rapports entre les deux sexes qui ait été jamais écrit en Europe occidentale, c'est Montaigne, dont vous n'aurez jamais une trace dans une anthologie ni dans un manuel scolaire. Or, Montaigne en parle à sa façon qui est à la fois naïve au sens fort du terme, c'est-à-dire sans fallace, sans mensonge, qui est très très culturel aussi, et c'est un extraordinaire reportage sur la condition de l'homme et de la femme au XVIe. C'est dans Montaigne, et chez Montaigne c'est beaucoup plus puissant que chez Rabelais, qui caricature volontairement pour cacher certaines détresses et pour faire rire. Chez Montaigne, ce chapitre qui s'appelle, alors curieusement, sur quelques vers de Virgile, parce que Virgile a des vers que je ne sais pas par cœur en latin, où il dit « Et la femme cherche l'homme, et l'homme la femme, et l'oiseau, l'oiselle, etc. » Et il décrit la nature au printemps, ce qui est très conventionnel maintenant, mais qui ne l'était pas beaucoup il y a 2000 ans. Et là-dessus, Montaigne, à sa façon habituelle, de cascade en cascade, de ricochet en ricochet, parle de lui. Et on sait tout sur lui. Qu'il aimait les femmes, qu'il était éjaculateur précoce. Le mot n'existait pas, mais le discours est très clair. Mais qu'il n'a jamais renoncé à l'amour tout en se reprochant d'y avoir trop succombé. Il y a un passage, il y a un chapitre extraordinaire de Montaigne qui, à soi tout seul, mériterait d'être publié. Les gens ne veulent pas se perdre dans les 3 tomes de Montaigne. Et ça, personne n'en parle jamais. Et c'est totalement accessible. Thank you.
con, non pas con, mais petit sadinet. Con mon plaisir, mon gentil jardinet, où ne fut onque planté arbre ne souche. Con joli, con à la vermeille bouche. Con mon mignon, ma petite fossette, con rebondit en forme de bossette. Con revêtu d'une riche toison, de fins poils d'or en sa vraie saison. Con qui tente à de force et de puissance, con qui seul peut bailler la jouissance. Con qui la main trop paresseuse et lente rend, quand il veut, hardie et diligente. Con qui commande à l'œil de faire signe, à cils qu'il tient de l'amour le plus digne, et qui ordonne à la bouche parler de tout plaisir et ennui ravaler. Con, tu as bien la force et le pouvoir. Oui, il ne faut pas confondre ça, confondre liberté d'expression et trivialité, une espèce de spontanéité, et il est certain que le 16e, pas que le 16e, mais puisqu'on parle du 16e, le 16e est le siècle de l'amour. C'est la grande affaire du siècle. Que vous soyez roi de France, duc de Guise, écrivain comme Ronsard, c'est la grande affaire. Et le grand désespoir de Ronsard, c'est devenir sourd et d'être exclu de la société élégante de son temps. Ce qui en a fait un écrivain certainement d'une race supérieure à ce qu'il aurait été s'il avait été un vibrillon dans les salons. Mais c'est tout à fait la couleur de l'époque. Il y a eu des horreurs, on peut schématiser le siècle avec des horreurs, avec certains passages de Rabelais, mais la grande affaire, indiscutablement, c'est l'amour. On le voit de Marguerite de Navarre, la première Marguerite, dite la reine Margot, sur les personnages du plus haut niveau des classes sociales, et jusqu'aux femmes, aux métayères, aux servantes, c'est la grande affaire. Et toute la littérature, en fait, toute celle qu'on masque, est consacré à l'amour. Et ça n'est pas uniquement le fait de littérateurs qui veulent faire de l'argent en librairie, ça n'existe pas, c'est l'expression du conscient et de l'inconscient collectif. Culturelle française à ce moment-là, dans les années 1530-1540, n'est pas à Paris, elle est à Lyon. Et c'est une notion qu'on a du mal à accepter maintenant. Lyon est beaucoup plus importante que Paris. Ça changera à la fin du siècle. En 1540, quand Louise Abbé est une adolescente gracieuse et courtisée, ce qui se passe d'important se passe à Lyon. Lyon est la quatrième ville italienne. Alors c'est une grande ville. Tous les quartiers de Lyon sont spécifiquement habités par des Italiens, qu'ils soient teinturiers, soyeux, avocats. Les poètes, bon, les petites républiques italiennes se fâchent souvent entre elles. À l'intérieur de la cité, il y a beaucoup de guerres civiles. Et à chaque fois, ça veut dire que les poètes vont partir. Ils vont où ? À Lyon. Lyon, c'est certainement une des villes les plus intéressantes du XVIe siècle en Europe occidentale. C'est une ville de plaisir, de sensualité, avec un côté lyonnais qui apparaîtra plus tard, de relative discrétion. Et Louise Abbé s'épanouit totalement dans ce milieu-là. Aussitôt que je commence à prendre, dans le molle lit, le repos désiré, mon triste esprit, hors de moi retiré,
s'en va vers toi, incontinent se rendre. L'or m'est avis que dedans mon sein tendre, je tiens le bien où j'ai tant aspiré, et pour lequel j'ai si haut soupiré, que de sanglots est souvent cuit défendre. Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse, plaisant repos plein de tranquillité, continuez toutes les nuits mon songe. Et si jamais ma pauvre âme amoureuse ne doit avoir de bien en vérité, faites au moins qu'elle en ait en mensonge. Je présente la discussion qui s'est faite pendant 2 siècles sur le métier de l'ouzabé, où les braves historiens catholiques, souvent curés eux-mêmes, voulaient nier son métier. Ce n'est pas du tout un métier qui ressemble à la rue Saint-Denis ou aux filles de Mme Claude. Ça se rapprocherait beaucoup plus des geishas, c'est-à-dire d'une perfection totale dans les relations sociales. En fait. C'est-à-dire que ces femmes reçoivent, ce sont des femmes qui enchantent. C'est-à-dire qu'elles ont accès à toutes les cultures et c'est le meilleur, probablement, de cette société. Elle en vit, et l'expression « elle en vit », c'est extrêmement trivial, parce qu'on imagine déjà les cartes de crédit, des machins, des enveloppes et tout. Et elle en vit somptueusement pour redistribuer, en fait, les cadeaux qu'elle a. Il y a 30 ans après, j'allais dire, une autre femme dans ce siècle, qui est la reine Margot, sur laquelle je suis en train de travailler enfin, depuis longtemps. Et la reine Margot, une espèce de Louise l'Abbé, qui était fille de roi, reine, et qui aurait dû être mère de roi. Et la reine Margot, elle est même... caractère que Louise l'Abbé, ravissante mais pas perfection technique des formes, beaucoup de charme, l'éloquence, que les hommes aimaient les femmes éloquentes, et Brantôme a là-dessus des discours étonnants. Pour nous maintenant, on dit qu'est-ce qui plaît le plus dans une femme, est-ce que c'est la voix, est-ce que c'est le regard, et tout le monde dit c'est la voix. Et à cette époque-là, et c'est merveilleux, dans les années 1530-1550, une femme plaît d'abord par l'intelligence et la sensibilité de ses discours. Et pas par la forme unique de son téton ou de son balai. Donc la reine Margot, elle, va aussi recevoir des cadeaux et en donner. C'est une marque de tendresse. Et un amant qui offre à Louise l'Abbé, c'est encore comme ça parfois maintenant, un collier, un bracelet, une magnifique robe qu'il a ramenée de Gênes ou de Pise, ça s'appelle pas faire la pute. C'est un échange de caresses, à tous les niveaux. Et Louise a le droit... Ce qui ne se fait plus maintenant, jamais, c'est très rare que les femmes maintenant puissent oser faire un cadeau à un homme, ça implique vraiment une espèce de drague effrénée, insupportable, etc. Alors à l'époque, c'était la règle. Par exemple, la reine Margot, comme Louise l'Abbé faisait, et Louise l'Abbé a dû le faire, mais moi j'en ai pas de traces précises, malheureusement, mais c'était un signe amoureux, offrait ses amants des écharpes où elle brodait des devises, qui n'étaient sûrement pas toujours des chefs-d'œuvre littéraires, mais qui étaient des gestes très très câlins, mais qui n'étaient pas toujours une incitation à la consommation charnelle. C'était l'attraction réciproque qui était manifestée de cette façon-là. Donc, il n'y a plus d'équivalent maintenant au métier de courtisane du XVIe, qui est une spécialité italienne et que Louise l'Abbé a dû connaître de façon littéraire et qui existait beaucoup en France sans que les courtisanes françaises aient laissé beaucoup de traces dans la littérature française du XVIe. On a quelques noms, dont Paul de Toulouse, que je cite, parce qu'il paraît qu'à 82 ans, elle était encore extrêmement séduisante. C'est aussi un des charmes du XVIe, qui, en cela, est encore bien supérieur au siècle suivant, et notamment au nôtre, c'est qu'on ne guillotine pas une femme dès qu'elle a une petite patte d'oie au coin de l'œil, on privilégie sa capacité d'expression et sa sensibilité. Et c'est en ça aussi que Louise l'Abbé est d'un modernisme extraordinaire.
Au noble nez, organe odoratif, du corps humain membre décoratif, te blasonner je ne saurais me taire, car sur tout membre est le plus nécessaire, pour ce, t'es du degré superlatif. C'est très beau comme forme, c'est d'une grande précision et c'est à chaque fois une histoire d'amour. Ça circulait dans les dîners en ville, on en est à peu près sûr que les poètes, enfin les auteurs des blasons, dont certains se spécialisaient dans cette technique quand même du blason qui était quand même très érotique. On va pas faire un discours sur l'érotisme et la pornographie, tout ça a été fait depuis longtemps. Disons qu'à table, en dînant ou avant le bal, histoire de Beaulieu, Marot lisait le dernier blason qu'ils avaient pu faire. Il y en a des centaines, il y en a beaucoup qui ont été perdus, et tout le monde en faisait. Un soir, ici, là, au lieu de prendre du champagne avec des petites douceurs, on fait un blason et on prend un thème. Ça peut être le cil, le téton, le trou du cul, le clitoris, le doigt. C'est tout. C'est extrêmement concret anatomiquement. Et ça ne gênait personne. Il y a un blason de Stor sur le cul qui est une splendeur, qui est un espèce d'hommage vibrant. On n'a jamais refait ça avec la même volupté... naïve et comment dirais-je, et heureuse. Il y a un mot d'Erasme que je cite, il parle des... Erasme n'était tout de même pas rigolo, c'est un personnage particulièrement, totalement passionnant, mais pas vraiment un Gailluron. Et Erasme passe à Lyon, il y reste un peu, et tout ce qu'il dit des Lyonnais, c'était des femmes aux formes heureuses. Et j'ai employé le mot, je trouve magnifique, et naturellement, quand on parle d'Erasme, on oublie complètement cette citation. Et quand il veut dire des formes heureuses, c'est-à-dire qu'il les a vues. Il n'a pas passé son temps dans les bibliothèques et dans les prêches, il a dîné avec des jolies femmes. Où Calvin commence à pendre les gens et les brûler, le plaisir s'éloigne. Calvin, il faut quand même être clair, il y a rarement eu dans l'histoire en dehors de Comini quelqu'un d'aussi peine à jouir. C'est une horreur. Et ça, c'est la Genève, on sait pourquoi. Et l'apparition de Calvin, qui n'est pas un homme seul, il correspond à des groupements sociaux et à des tentations de sévérité sadique. De tous les siècles, et de ce siècle en particulier, et c'est fini l'âge d'or du plaisir, de la sensation, disons. Cette cherche de sensation dans tous les domaines, que ce soit en galopant à cheval, en jouant du luth, en chantant, en grignotant des confitures, en faisant l'amour, bien sûr, en lisant des textes sublimes. Ces gens-là, enfin, dans la caste de Louise Labbé, ne savent pas ce que c'est, au moins quand ils sont jeunes et séduisants, ne savent pas ce que c'est que la souffrance. Louise Labbé va la découvrir, d'ailleurs. Mais ce qui rend ses poèmes aussi exceptionnels, mais on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Et il y a curieusement un rapport à faire avec les dernières années du XVIIIe siècle, où tout est consacré au plaisir, et avec un maximum d'élégance qui ne veut pas dire de mièvrerie. Thank you.
C'est François Pédron, l'auteur du livre Louise Labbé, La femme d'amour, publié chez Fayard, qui a participé à cette émission. Avec les musiques de John Dowland, Hildegard von Bingen, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Cacchini, la comtesse de Die et Colette Magny sur un texte de Louise Labbé. Avec les sonnets de Louise Labbé et les blasons de Clément Marot et Eustorgue de Beaulieu. J'ai donné, j'ai montré ma démarche amoureuse sur un poète, une femme poète, dont l'œuvre est décisive, parce qu'il faudra attendre probablement le XXe siècle pour trouver des mots aussi forts, et je ne suis pas sûr qu'on les ait autant. Parce que c'est quand même, à l'époque où la poésie est extrêmement maniérée, encombrée de mythologie, Louise Labbé écrit « Avec toi tout, et sans toi je n'ai rien. Tu es tout seul, tout mon mal et mon bien. » C'est racinien. Sans le désastre racinien, ni les afféteries de Racine. C'est une force extraordinaire, et on voit bien là qu'il y a une femme, et pas seulement une femme de lettres. Et c'est ça la tentation. Mais finalement, plus on aime quelqu'un, et plus on a probablement du mal à écrire sur lui. Peut-être par jalousie. Baise-moi encore. Rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds. Que braise. Là, te plains-tu, ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres douces heureux, ainsi mêlant nos baisers tant heureux. Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or, double vie, à chacun en suivra. Chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement. Si hors de moi ne fait quelque saillie, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise.